Bonjour mes amis et soyez les bienvenus chez Bernie sur Leather Knife Shop. Aujourd'hui, je vais construire un chiffonnier en 9 tiroirs pour ma fille. C'est pour les affaires de l'école et elle a 9 sujets à l'école et pour chaque sujet, elle aura un tiroir pour faire l'ordre avec des livres, des cahiers et tout ça. Le matériel que je vais utiliser, c'est du MDF coloré, et un matériel que j'ai trouvé quand j'ai vu une vidéo de Christina de la chaîne Get Hands Dirty, et je vais mettre un link là-dessous dans la description. Pour les tiroirs, j'ai utilisé des restes différemment de bois. Et oui, pour que tous regardent un peu uniforme, j'ai simplement peinté ou coloré les tiroirs en blanc. Mais vous allez voir plus tard. Construire 9 tiroirs, c'est vraiment devenu une chaîne de montage. Mais bon, de plus qu'on fait, de plus facile ça devient. Le trou dans la base du tiroir que je vais faire, et ça aide si un classeur est coincé dans ce tiroir, pour qu'on peut simplement mettre le doigt là-dessous et pour le pousser au-dessous du tiroir. Alors, ce MDF noir est vendu chez nous dans deux dimensions, 16 mm et 8 mm. Pour la base, je me suis décidé d'utiliser le matériel de 16 mm et on peut l'acheter comme des panneaux, et comme on le voit ici. Et j'ai simplement mis deux panneaux ensemble en utilisant de l'époxy et des chevilles de bois. Comme j'ai pas fait des plans, j'ai simplement pris des mesures avec les tiroirs que j'ai déjà fait
comme ça, c'est oui, la vie comme il est. Pour les étagères et les panneaux latéraux, je me suis décidé d'utiliser le matériel de 8 mm que j'ai coupé et oui, monté. Pour les étagères, j'ai utilisé deux panneaux de 8 mm et pour les coller ensemble, j'ai utilisé du colle de composants ou époxy et je me suis fabriqué des chevilles de fer simplement en utilisant des clous où j'ai coupé des têtes. On le voit plus tard. Pour le montage des panneaux latéraux, j'ai mis la base à l'inverse sur mon établi et j'ai pincé les panneaux latéraux à la verticale et à mon établi. Comme ça, j'ai pu transférer les trous et oui, utiliser la machine pour faire les trous. Et plus tard, j'ai utilisé des vis noires et du colle de composants et époxy pour mettre tous ensemble. Je me suis vite fait une gabarie pour faire des triangles pour renforcer encore les coins. Les vis noires sont déjà dans la base et comme ça j'ai simplement pu mettre la partie latérale et simplement les visser ensemble. Et voici les chevilles de fer. En utilisant du ruban adhésif, c'était bien facile de couper les fissures où je vais mettre les panneaux latéraux avec les étagères ensemble. Comme ça, j'ai vraiment pu voir très très clairement où je dois couper avec ma scie circulaire.
avec la dernière étagère ou le bouchon, ce chiffonnier est plus ou moins fini. Bon, j'espère que ce vidéo vous a plu, que peut-être ça vous donne des inspirations pour faire des chiffonniers comme ça vous-même. Et je vous remercie d'avoir vu ce vidéo. Si vous avez vraiment si ce vidéo vraiment vous a plu, peut-être vous me donnez un like. Et si vous n'avez pas encore fait comme ça, peut-être vous pensez de faire laisser une inscription sur ma chaîne. Alors je vous remercie et je reste votre Bernie. Ciao.